Bonjour, je m'appelle Julio, je rejoins Léo il y a un an et je suis business developer. Chez Léo, je participe au développement commercial, c'est-à-dire à la croissance de notre portfolio client et aussi au développement de nos offres. Par exemple, j'ai interagi pas mal avec l'équipe des devs et l'équipe marketing afin d'améliorer en continu nos offres, nos programmes. Et côté commercial, je participe dès la prospection, donc la recherche des nouveaux clients, jusqu'à la signature pour lancer un nouveau projet. J'ai rejoint Léo en début 2019, donc ça fait un peu plus d'un an déjà. Les deux raisons principales pour lesquelles j'ai rejoint l'équipe, c'est parce qu'on a une double compétence au sein de la société. C'est ce qu'on appelle le côté data et business. Mon parcours m'a permis d'être consultant et travailler dans des startups de la French Tech qui collectent, qui qualifient, qui exploitent les données des clients de nos clients. Et en plus, chez Léo, on profite de cette richesse de données pour améliorer, personnaliser, rentabiliser des programmes de fidélité, par exemple parrainage, animation des réseaux, avantage, rétention client. Donc c'est assez riche, ça donne une continuité assez cohérente à mon parcours. Au sein de l'équipe commerciale chez Léo, nous cherchons à recruter des business developers. Des business developers qui ont une double casquette, ce qu'on appelle l'ADN de Léo, data et business. C'est vraiment des profils qui nous intéressent particulièrement, notamment après une expérience où on a appris à parler des sujets un peu compliqués liés à la donnée, de façon très facile, très business, avec un point de vue des rentabilités important. Donc, si vous avez une expérience ou un intérêt de continuer à développer votre carrière dans ces centres-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a même les formations qui permettent d'aboutir ces premières expériences au sein de Léo.